Bonjour à tous et bienvenue dans les vidéos Dialogue Insight. Le sujet de cette capsule portera sur les résultats et les tests pour vos pages de destination. Donc, une fois que vous allez avoir publié votre page et que vous allez avoir inséré l'URL dans une infolettre, par exemple, vous allez commencer à avoir des visites sur votre page et des conversions par rapport à l'objectif de conversion que vous aviez établi. Un autre outil très intéressant que vous pourriez utiliser, c'est l'outil de test ABX pour les pages de destination. Vous pourriez par exemple avoir votre version A dans laquelle vous allez mettre une entête verte. Vous venez dupliquer votre version A pour faire votre version B dans laquelle vous allez par exemple mettre une entête rouge. Par la suite, vous donnez un poids. Par exemple, dans mon cas, j'ai mis 50% à ma version A et 50% à ma version B. L'ouverture sera donc aléatoire entre ma version A et ma version B, selon le poids que je vais avoir attribué à chacune des versions. Le but ici est d'avoir des résultats individuels pour chacune des versions et de cette façon-là, vous allez être en mesure de savoir laquelle de vos deux versions est la plus performante selon la modification que vous avez faite entre chacune de vos versions. Évidemment, dans mon exemple, c'est l'entête qui change de couleur, mais vous pourriez avoir une image différente, un contenu différent, un texte qui change, la couleur de votre page de destination. Il peut y avoir plusieurs choses que vous allez vouloir tester et vérifier la performance de ceux-ci. Une fois que vos tests sont faits et que vous avez défini, par exemple, que c'était votre version A qui est gagnante, vous avez simplement à aller sur l'écrou de la version que vous ne désirez pas garder et cliquer sur « Rejeter ». Automatiquement, la version B sera dans votre section des versions rejetées et votre version A sera la gagnante avec un poids de 100%.